et sur YouTube. Je vous rappelle que ici, on va voir le spectacle d'acrobatie ici devant la mairie. Il y a plusieurs représentations qui vont être effectuées ici. N'hésitez pas si vous voulez venir voir. C'est avec les commerçants du centre de Caudry. Retrouvez-nous sur la page Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas. Peut-être qu'on aura des coupures pour la musique. Eh bien, nous en excuser, mais ce sera Facebook qui va couper la musique. L'école d'acrobatie de Caudry qui vous fait une démonstration ici sur la place devant le parvis de la mairie. Si vous voulez découvrir le défilé qu'il y a eu il y a quelques instants, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page YouTube et sur Facebook. Vous retrouverez toutes ces images aussi ce soir sur www.caudryvision.fr, la web TV autour du Caudrésie. Les images d'Antoine Grière et d'Océane Grière et les photos de Michael Pahut que vous pourrez retrouver sur les photos sur Caudrévision Photo. Il y en a déjà, mais je crois qu'il va en remettre.
rappelle que toutes les animations sont ici avec les commerçants, ici de Caudry, du centre de Caudry. 32 commerçants qui sont présents ici. L'école d'acrobatie de Caudry qui vous fait une démonstration. L'école d'acrobatie aérienne de Caudry devant la mairie. Et à 16h45, si vous voulez venir voir, eh bien, il y aura une troisième représentation ici sur la place devant la mairie. Et vous pouvez les retrouver sur leur site internet www.franceartiste.com. Si vous voulez venir voir le flash mob, eh bien, ça sera à 18h30 ici rue Salengro. N'hésitez pas à venir découvrir aussi les commerçants du centre de Caudry. Et chaque commerçant participant font une petite surprise à leur magasin. Donc n'hésitez pas à venir les découvrir. Démonstration de l'école d'acrobatie aérienne ici devant la mairie. Vous êtes en train de découvrir et à 16h45, il y aura une nouvelle démonstration. Ainsi qu'à 17h30, il y aura un défilé de mode ici avec rue Salengro et 18h30, eh bien Jérusalem est là, le flash mob ici place Salengro. Et il y aura aussi un défilé
sur la rue de la République. Alors, n'hésitez pas à découvrir le défilé qu'il y a eu il y a quelques instants sur la page Facebook, sur YouTube. Et ce soir, ce sera mis sur le site internet www.coderevision.fr. Une animation des commerçants du centre de Caudry avec la ville de Caudry sur une présentation de Michel Jacquemin de MRC Radio, la radio des hits. L'acrobatique aérienne de Caudry. Alors à 17h, il y aura un défilé à l'Esprit de Bohème, rue de la République.
claims. I need a knife from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights, lost shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Thunder of the drums dictates the rhythm of the cost, a number of days, the rising of the horns. Oh hey, from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Comme il fait un petit peu froid, bien, ils ne font pas les choses qu'ils devaient faire. Vous vous doutez bien. N'hésitez pas à venir découvrir ces animations ici à Caudry. L'école d'acrobatie ici aérienne, ici à Caudry. Alors c'était pas trop dur avec ce vent, ce temps ici? Ça fait un peu peur le vent, parce qu'il faut essayer de maîtriser, savoir quand il va arriver, surtout pour le tissu. Sur le cerceau, le trapèze, on arrive à gérer, mais le tissu c'est ce qu'il y a de plus dur. Voir un public comme ça ici à l'extérieur, ça vous fait quoi? Ça fait énormément plaisir, parce qu'en plus, on se dit au départ, avec les conditions là, on n'est pas sûr que les gens vont sortir. Mais là, ils ont été là et ça a été chaleureux. Et on est content d'être ici à Caudry pour vraiment montrer ce qu'on fait et que les gens puissent par la suite se dire « je veux essayer d'en faire ».
Alors, si on veut en faire justement, vous avez une école ici à Caudry. Vos horaires, vos jours, c'est quand ? Alors les horaires, c'est pour l'instant, bon, on a ouvert plusieurs plages là actuellement pour les enfants parce qu'il y aura les vacances là, pendant la période de vacances. Pour les horaires, il faut regarder sur le site internet, donc c'est franceartiste.com, il y a l'onglet école, et dessus on peut voir les plages, parce qu'on était là avec ce qui s'est passé. Va évoluer avec le temps en fait. Ça fait 3 semaines qu'on est ouvert, et en gros on s'adresse pour l'instant à tout le monde. Par la suite on fera des niveaux, des différences de niveaux, mais là pour l'instant c'est vraiment, on prend 10 personnes par cours, et on est à chaque fois 2 professeurs, comme ça on est vraiment au niveau sécurité, tout était renforcé, ça craint rien, c'est pour tout le monde, même les adultes. Hein. Alors on peut vous retrouver vous aussi là-bas en haut, ça fait pas drôle de voir ce public ici à l'extérieur, d'habitude c'est en salle. C'est vrai qu'on joue plus souvent en salle, mais c'est très bien aussi de profiter du plein air avec quelques degrés en plus et du soleil. Ça serait vraiment hyper agréable, avec moins de vent aussi. Et c'est très bien en fait justement d'amener le spectacle là où il n'y est pas habituellement, surtout ce genre de spectacle-là. Et franchement, les gens aussi ont bravé le froid et franchement, merci à eux d'être là et voilà. Quand vous descendez d'un palier, vous vous demandez si vous allez vous arrêter ou c'est sûr que vous allez vous arrêter ? Alors on calcule, des fois on a un petit doute, mais bon, quand vraiment on a un doute, on se lâche pas, on se défait de la figure en sens inverse, mais sinon tout est calculé, en fait on sait de quelle distance on est monté et du coup on sait le lest qu'on peut laisser pour tomber de la bonne distance. Voilà. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en direct sur Facebook. Si vous avez quelque chose à dire, c'est de venir voir la dernière représentation que vous allez faire à 16h40. 16h45, oui, venez voir. Et comme ça, si vous avez des questions à nous poser, venez, on sera ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci. On peut vous retrouver à quel endroit exactement alors ? C'est rue... L'école, oui, rue François Charlet, 39 rue François Charlet. Voilà, donc de la rue, ça ressemble à une maison, mais c'est bien à cette adresse-là. L'atelier, en fait, est dans le fond du jardin, derrière la maison. Yes. Voilà. Vous avez une page Facebook ? Oui, alors c'est franceartiste.pro. Sinon, il y a le lien aussi sur le franceartiste.com sur le site et on peut tout de suite tomber sur le lien de la page Facebook. Alors, un zoom sur le site peut-être. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir répondu et puis bonne chance pour votre école et puis on va se retrouver très bientôt, je pense. Il faut venir essayer. Voilà, alors si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à prendre contact avec ces personnes et ils seront un immense plaisir de vous renseigner. Nous, on se retrouvera dans quelques instants aussi. On sera à Esprit de Bohème pour un défilé. On se retrouvera ici, place Salengro pour justement le flash mob ici. Ça sera à 18h30. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur CaudryVision.fr, la web TV autour du Caudrésie.